et merci de nous suivre. Les titres d'abord. SANRU, programme pour la santé en milieu rural, s'en va encore en guerre contre le paludisme. La structure a parlé aux femmes d'une église de la place des modes de prévention. La nouvelle société civile du Congo, que dirige Jonas Tshombela, poursuit sans désemparer sa campagne destinée à venir en aide aux victimes de Kamwina-Nsapu. Voilà pour les titres. Mais tout d'abord cette nouvelle, 3 morts et 4 blessés, c'est le bilan d'une attaque survenue ce lundi à Kichinja, à Kichanga, au nord Kivu. Parmi les victimes, 2 officiers de l'armée. D'après les sources onusiennes, l'attaque est survenue vers 2 heures du matin. Les échanges de tirs entre les miliciens et les militaires ont duré plus d'une heure avant que l'armée n'opère un repli stratégique. C'est ce qu'indiquent les mêmes sources onusiennes. Jusque-là, pas encore de réaction du côté des FARDC. En santé, poursuite ce lundi de la campagne de sensibilisation contre le paludisme. Aujourd'hui, l'équipe de SANRU, programme pour la santé en milieu rural, a sensibilisé les femmes de l'église Temple de la Gloire, située au quartier Pompage, dans la commune de Ngaliema. Elles ont été sensibilisées sur les modes de prévention de la maladie. Bienvenue Babois, Marie-Laure Moulumba et Théodore Chitoli. Cette rencontre à l'église Temple de la Gloire n'est ni une réunion de prière ou encore une réunion politique. Mais c'est plutôt l'activité de l'ASBL SANRU qui ambitionne de faire disparaître la malaria dans les ménages à Kinshasa. Alors le thème de cette année, c'est que je m'engage à avoir 0 cas de palu dans mon ménage. Ménage, quand même, c'est la femme. Premier ministre et ménage, c'est quand même la femme. Alors l'objectif de notre sensibilisation aujourd'hui à l'église, c'est de faire comprendre à la femme, la première éducatrice, qu'elle doit s'engager, elle, à assainir son milieu, à respecter, à comprendre le projet, à comprendre c'est quoi le paludisme, comment est-ce qu'elle peut lutter contre le paludisme. Elle qui est la première éducatrice, à travers elle, nous savons que le message sera divulgué. Nous savons qu'à travers elle, les enfants seront sensibilisés. Les participantes à cette journée de sensibilisation ont apprécié à juste titre l'initiative de l'équipe de SANRU. Nous sommes à Kinshasa, il y a plein de moustiques, les gens meurent du jour au lendemain. Donc c'est une information, ça nous donne vraiment, comment je peux dire, c'est vraiment bénéfique pour l'église aussi, parce que les gens, en tant que chrétiennes, on a voulu que les femmes chrétiennes puissent savoir que la malaria ou le palud tue. Et tout ça, c'est vraiment bénéfique pour notre église. Cette activité entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le paludisme. En politique, attend donc la publication du gouvernement Tshibala. Oui, la question mérite d'être posée, puisque cela fait exactement un mois depuis que le chef de l'État l'a nommé au poste de Premier ministre. Le successeur de Sami Badibanga, qui avait reçu, entre autres pour mission d'organiser les élections, n'a plus que 8 mois pour remplir cette mission. Ahmed Dibouani est à Pilutulu. D'un mois après la nomination de Bruno Tshibala à l'accord de la Saint-Sylvestre, le pays n'a pas toujours un gouvernement. Et pourtant, le nouveau Premier ministre, qui a déjà consulté toute la classe politique pour la formation de son équipe, a déjà remis le rapport de consultation au chef de l'État. En quoi certaines sources, les successeurs de Sami Badibanga auraient signifié au chef des partis politiques de la majorité présidentielle qu'ils ne feront pas partie de son gouvernement. C'est l'une des causes de ces blocages. Car certains cadres de la plateforme au pouvoir tiennent à tout prix à prendre part à ces gouvernements. Autre point de blocage, certains cadres de la MP ne sont pas prêts à travailler dans un même gouvernement avec certains membres du rassemblement El Kazavubu. On cite notamment Joseph Olengankoy, Jean-Pierre Lissanga et Roger Lumbala. Ces derniers ne sont pas, semble-t-il, le bienvenu auprès du cadre de la MP. Et pourtant, Bruno Tshibala a reçu, entre autres commissions, organiser les élections à la fin de cette année
conformément à l'accord signé le 31 décembre au centre interdiocésain. Il lui reste au moins 8 mois pour réussir l'une de ses missions. Bruno Tshibala est appelé à former son équipe afin de se mettre au travail. A noter que ce gouvernement aura 53 membres répartis de la manière suivante. L'AMP avec 21 portefeuilles, le rassemblement en avait 16. L'opposition signataire de l'accord de l'Union africaine aura 11 ministères, tandis que l'opposition républicaine doit avoir 3 postes. Avec vous, Élisée Bafou, le reste de l'actualité. Oui, une plateforme de la société civile a lancé ce lundi la campagne intitulée « J'aime le Congo et j'exige les élections en 2017 ». La plateforme demande à chaque Congolais de porter tous les jours un signe aux couleurs du drapeau national et cela pendant 2 semaines. On peut se demander si ceux qui portaient déjà les insignes avant et qui ne sont pas concernés par cette campagne arrêteront de la porter. Yannick Mouyamba et Eric Kalambay, suivez. C'est ce lundi que commence la campagne initiée par le groupe des organisations de la société civile, une campagne qui devra prendre 2 semaines pour sa première phase. C'est une initiative des organisations de la société civile éparpillées sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo qui tend à donner la parole au peuple congolais pour qu'il s'exprime sur le fait que les élections sont un droit, sur le fait aussi qu'il veut que les élections puissent avoir lieu cette année. Les divergences de vues entre majorité et opposition sur l'application de l'accord du 31 décembre dernier ne devraient pas constituer un obstacle à l'organisation des élections avant la fin de cette année, avis de la ZADU. Ceux qui sont au pouvoir veulent y rester encore pendant longtemps sans organiser les élections. Et ceux qui sont dans l'opposition voudraient entrer au gouvernement par un autre moyen que les élections. Et dans ce combat-là, qu'est-ce que nous, le peuple, nous allons faire? Ce que nous devons faire, c'est de dire, non, messieurs, c'est nous qui vous donnons le mandat. C'est nous qui sommes les souverains. Nous, ce que nous attendons, parce que les élections pour nous sont un droit, c'est que vous organisez les élections et nous, nous sommes prêts à y participer. À la question de savoir comment va se déployer la stratégie pour mobiliser les Congolais sur l'ensemble du territoire national à adhérer à la campagne, Jean-Claude Katende s'explique. La stratégie que nous avons mise en place, c'est de travailler principalement avec les radios communautaires, les radios de proximité, qui sont en fait dans presque tous les villages de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, nous travaillons aussi avec les médias parmi les plus écoutés en République démocratique du Congo. Entre-temps, la campagne dénommée Opération Solidarité avec le peuple kassaïen en souffrance poursuit son petit bonhomme de chemin. Elle vise à venir en aide aux populations de l'espace Kassaï victimes de crimes commis par la milice Kamuina-Sapou. L'opération serait un succès, affirment les organisateurs. Ils auraient déjà récolté quelques dons en nature une semaine après son lancement. Reportage. Lancée le 1er mai, la campagne de soutien au peuple kassaïen s'est poursuivie jusqu'à la fin de ce mois. La nouvelle société civile du Congo dit avoir déjà réceptionné quelques dons matériels, mais elle entend aussi des dons financiers. La campagne est en train de se poursuivre. Un comité de supervision a été mis en place déjà. Il y travaille jour et nuit. Et ceux qui ont senti cet appel, et cet appel est adressé à des hommes et des femmes de bonne volonté, ils sont entrés progressivement à venir déposer. Nous avons déjà eu beaucoup d'habits, beaucoup de souliers, jusqu'ici on n'a pas encore un fonds. Et nous sommes en train de mettre des dispositifs pour voir ceux qui peuvent aussi contribuer à distance avec de petits moyens pour qu'ils arrivent à le faire. La nouvelle société civile congolaise prévoit de descendre dans les églises, les écoles et de rencontrer le gouvernement ainsi que d'autres organismes, enfin de récolter plus des dons possibles pour venir en aide à la population du Kassaï, victime des affrontements entre les forces loyales et le milicien Kamuina-Sapou. Le comité ira rencontrer notre ministre des Affaires sociales et aide humanitaire
Ils iront le rencontrer pour voir quelle pouvait être aussi la contribution du gouvernement à cette opération. Nous le faisons au nom de la solidarité nationale. Nous n'allons pas oublier qu'il y a un gouvernement dans ce pays. Nous allons rencontrer les autorités dans ce domaine. Nous allons rencontrer les agences humanitaires. Lorsque nous allons récolter tous ces biens, on aura besoin de leur concours pour voir dans quelle mesure ces biens peuvent bénéficier et directement être donné aux bénéficiaires directs. La campagne Solidarité avec le peuple kassaïen a pour but de soutenir la population du Kassaï, victime de massacres et autres crimes commis par la milice Kamuina Sapo. Vous le savez, la France a depuis dimanche un nouveau président. Il s'agit d'Emmanuel Macron. Le nouveau président de la République française a été élu à l'issue du deuxième tour avec 65,1% des suffrages contre 34,9% pour sa rivale Marine Le Pen. Qu'en pense Maître Richard Bondo, avocat de la place? Écoutez-le au micro d'Élisée Mafou et de Gisèle Timank. Je crois que le peuple français a vu juste pour choisir ce brillant président de la République comme leur président, donc le président de la France, le président du peuple français, Emmanuel Macron. Il le sait. Comme il a parmi ses conseillers occultes cette intelligence française, Jacques Attali, qui a écrit dans perspective la place de l'Afrique sur l'échiquier mondial. C'est que l'Afrique, si la RDC décolle, l'Afrique serait un continent d'avenir. Et lui, ayant Jacques Attali à ses côtés, comme l'un de ses conseillers occultes soit-il, je crois qu'il il tiendra compte beaucoup de l'Afrique qui est un continent plein d'avenir, à dire de Jacques Attali, qui disait il y a 2 ou 3 ans, je crois que je l'avais suivi, et ainsi que dans son livre Les perspectives que j'ai dans ma bibliothèque, qui parle de la RDC comme un pays sans lequel le continent africain ne pourrait pas devenir émergent. Maître Bondo, rendons-nous à la colline inspirée où une journée scientifique a vécu. Elle était organisée par le département des sciences et techniques documentaires de l'université de Kinshasa sous le thème « Les archives, le livre, la lecture et les aspects juridiques de l'éducation en République démocratique du Congo ». Cette rencontre scientifique entre dans le cadre de la journée du livre célébré chaque 29 avril. Félix Ilunga et Emani Tangou. La matinée scientifique tenue à l'université de Kinshasa valait son pesant d'or. Principal vecteur des connaissances à travers les âges, le livre et sa lecture retiennent l'attention de beaucoup d'intellectuels. Au cours de cette rencontre scientifique, plusieurs intervenants ont décortiqué le thème sous différents aspects afin de déterminer les contours du livre et de la lecture. La première intervention s'est focalisée sur les conditions de conservation des archives, principalement à Kinshasa, vitrine de la République démocratique du Congo. Nous avons voulu marteler sur l'importance de cet instrument qui est souvent négligé dans notre pays. Notre pays, c'est le pays de la distraction, du sport, des sketchs. Hein, les gens donnent beaucoup plus d'importance à ces futilités que à la lecture. Voilà, et par votre canal, nous espérons que nous pourrons réveiller la conscience de beaucoup sur l'importance de cet instrument qui est très négligé dans notre pays, le livre et, avec son corollaire, la lecture. De cette conférence, il s'est dégagé un constat amer. Les archives ont de sérieuses difficultés pour leur conservation. Les archivistes se sont plaints pour l'allocation de moyens. On met à la disposition des archivistes les espaces et les moyens pour que ces derniers puissent
endiguer les phénomènes de l'hypertrophie documentaire. Donc quand j'ai dit hypertrophie documentaire, c'est la maladie des archives même. Quand vous voyez dans les couloirs, dans les armoires, les classés renversés, c'est ça la maladie des archives. Nous voudrions endiguer ce phénomène-là. Tout naturellement, l'importance de la bibliothèque n'est plus à démontrer. Elle constitue le grenier du livre et le centre de recherche pour tous. À quelques nouvelles sportives avant de nous séparer. Avec vous, Kelly Yoka. Merci, monsieur. Prévu pour ce lundi au Stade des Martyrs, le derby quinois entre DCMP et FC Renaissance du Congo n'a pas eu lieu. Alors que les 22 acteurs étaient déjà sur terrain, un supporter non identifié est entré sur l'aire de jeu et chippé le drapelet de corner, un fait rare, très rare, même dans le football moderne. Conséquence, le match ne s'est pas joué puisque nous pouvons l'être sans ce drapelet selon les règlements. Junior Bompema et Serge Mitelesi. Ils étaient venus en grand nombre, Fibo et Tupamaros, qui voulaient à tout prix vivre le spectacle entre les deux équipes, jusqu'à encore invaincus dans cette phase des playoffs. Les deux écuries se sont échauffées normalement et ont regagné le vestiaire pour ressortir afin de lancer les hostilités. Cela s'est fait sans aucun souci. Pendant que les 22 acteurs attendaient le coup d'envoi de monsieur l'arbitre, tout le stade va vivre un scénario inattendu. Voilà qu'un supporter va débarquer pour chipper les drapelets du coin de corner. Alors que dans le gradin, l'on attendait le coup de sifflet d'Hugo. Tout s'arrête brutalement et la partie n'a plus eu lieu. Ce qui crée justement la désolation dans les deux camps. Ils ont enlevé le drapeau. Les règlements exigent que toutes les conditions soient réunies. Là, les conditions n'ont pas été réunies. Donc, effectivement, 45 minutes après, on n'était pas là pour jouer une mi-temps. Donc on rentre chez nous. C'est malheureux. C'est malheureux qu'il y ait un championnat où il n'y a pas de règles. Le match n'a pas pu avoir lieu. Pardon ? Le match n'a pas pu avoir lieu. Je ne sais pas, on était là et c'est regrettable parce que ce public a payé quand même son billet pour venir voir le spectacle. Et elle n'a pas eu lieu, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et vous aviez préparé l'équipe avec quel objectif aujourd'hui ? De gagner. On vient jouer contre une grande équipe, il ne faut pas se voiler la face. C'est une grande équipe, c'est une très bonne équipe. Mais on venait aussi... On avait notre mot à dire, voilà. À ce stade, tout le monde reste muet, étant donné que pour l'heure, le seul maître à bord s'appelle le commissaire au match. Même le secrétaire national de la Lina Foot a préféré donner sa langue au chat. Et hier dimanche, dans le cadre de la même compétition, l'ASV Club s'est relancé après sa courte victoire devant le TP Mazembe. Score du match, 1-0. L'unique réalisation de la partie est l'œuvre de Teddy et Tekiama sur pénalty. Junior Bompema et Serge Mitelesi. Condamné à la victoire pour sa survie dans cette phase du play-off, l'ASV Club a bien gagné le pari, qui pourtant semblait quelque peu compliqué quand on sait que la dernière victoire des Moscovites remonte à 2009. D'entrée de jeu, les deux équipes se sont livrées à quelques rounds d'observation avec quelques rares ratés des parts et d'autres. En tout cas, les 45 premières minutes n'ont rien donné à se mettre sur la dent. Des retours de vestiaire, les deux entraîneurs soucieux des résultats opèrent alors quelques changements et la partie s'emballe, mais cela sans aucun but. Des retours de vestiaire, les deux entraîneurs soucieux du résultat opèrent alors quelques changements et la partie s'emballe, mais cela sans aucun but toujours. Il a fallu attendre la montée de Tadi Agiti et Tekiama en lieu et place de Sugira pour que le filet tremble enfin. À la 86e minute, Moukoko Batezadio est fauché dans la surface de réparation par Jean Kasusula et l'arbitre siffle pénalty que Tekiama va convertir sans trembler. Plus rien ne va se passer, le score en restera là. Le club remporte le Classico congolais et se relance dans le championnat. Florent Ibengué, le coach de la SV Club, analyse ici la partie. Il faut le reconnaître,
Tout le monde était catastrophé. Ben, nous, avec des matchs comme cela, jouer contre le Dering et juste après jouer contre Mazembe, ça nous permet de ne pas cogiter, d'être directement dans notre concentration pour le match d'après et ne pas se prendre non plus quand on a perdu pour les plus nuls du monde et quand on a gagné comme des dieux. Donc on reste les pieds sur terre, on sait qu'on a gagné, mais il y a encore beaucoup de choses à travailler. Donc on continue à travailler patiemment, tranquillement, et pour aller le plus loin possible. C'est qui est inexplicable. Quand on vient jouer à Kinshasa, on nous abandonne à notre triste sort. Oui. Nous sommes Tobimi. Au lieu de sécuriser, Batiki Bisso, les policiers ne sont pas contre la Katia. Et que Bayeko Panzabis, les policiers Bazaliwana. Batiki, ils n'ont arrêté personne. Vous sécurisez qui? Qui n'est pas congolais, qui est congolais finalement? Ce sont des équipes, congolaises où nous ne sommes pas au Congo nous autres. Il y a un officier policier qui dit qu'il y a Oezana Kinshasa. C'est quoi Kinshasa, ce n'est pas le Congo? Kinshasa, c'est pas le Congo. Kinshasa, c'est pas le Congo. Du côté des Mazembe, on crie plutôt au scandale. Fin de cette édition du journal. Suivez-le également sur le bouquet CPLA TV, canal 98, disponible dans 24 pays dans le monde et dans plusieurs ambassades de la République démocratique du Congo. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur Numérica TV. Bonsoir. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante Christine Mukumba, décédée le 1er mai 2017 de suite d'une courte maladie. Les familles Roger Baka, Toumba Adèle, les enfants Mouvaro et Serge Toumba annoncent à tous les proches, aux amis et connaissances que le programme des obsèques se présente comme suit. Mardi 9 mai, levée du corps suivi de l'exposition du corps à l'espace funéraire de Linzaozon dans la commune de Ngaliema, référence Ipeko, en face de l'école Liloba. Mercredi 10 mai, 13h, inhumation au cimetière de Benseke Fouti. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Madame Christine Mukumba de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Hey, yeah, be, call, be,